Salut, c'est CLK1 pour une nouvelle vidéo, donc le 30e épisode de notre Let's Play sur Sam to Serve, Rêve Soldier Z, en compagnie de... Moi, Bado, encore une fois, voilà. Encore une fois, donc on enchaîne encore les épisodes, il me reste un peu de boisson. Qui je vais prendre? Oh, Yoga, il est chiant. Je vais prendre Shiryu. Ah, c'est vrai que c'est moi qui ai fait le dernier combat. Oui, c'est toi. Le chemin élysien. Élyséen. Plaçant tous leurs espoirs en série, ses compagnons chevaliers d'or se retirent à jamais, ne laissant que leur armure derrière eux. Dans un ultime effort commun pour fusionner leur pouvoir en une attaque plus puissante, ils ont ouvert une branche dans le mur de lamentation et permis le passage vers l'Elysium. De l'autre côté, sous l'hyperdimension où le temps et l'espace ne sont pas pris, seuls les dieux sont capables de la traverser. C'est une sorte d'hyperdimension. Seiya, regarde cette lumière. Est-ce vers la lumière que nous trouvons Elysium? C'est là que nous... Merci Skyward. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Tu mettrais une cinématique. Je crois bien que maintenant on en a marre de lire les scènes. Bon, c'est désolé, pas qu'on en a marre, c'est qu'en fait là c'est... Ça fait 5 épisodes qu'on tourne en fait. C'est pas forcément ça aussi, mais c'est que là c'est pas très intéressant en fait. À partir de quand on va arriver à Thanatos Hypnose, là oui c'est sûr. Là ils vont juste dire, non vous ne passerez pas, bah si vous passerez... Attaque plus 30% pour Lunes. Je crois qu'Hades il attaque genre plus 40 ou 50. On va rusher face à Hades par contre. Difficile, je n'ai jamais fait Hades en difficile avant. Round 1, fight! Rosan! Rosan! Yucho. Bien, je l'avais déjà dit. J'en prends un de jeu. Vous avez entendu les gens. Petite ellipse, les gens. Donc, creux les gens. Donc voilà. Désolé pour j'ai juste un truc important à lui dire, c'est voilà. Donc, voilà. Donc, creux les gens, désolé de la petite ellipse. Ah ouais, deuxième petite ellipse. Non, il t'a fail aussi. Putain, mais chérieux. En fait, là, vous vous rendez peut-être pas compte, les gens, parce que vous jouez, quand vous jouez, ça paraît être simple, mais franchement, plus on approche de la fin du jeu, vu que là, on est bientôt à la fin du jeu, plus c'est dur. Voilà, c'est ça, ils sont super durs. Je vous rappelle qu'on est en difficile et qu'on a perdu pas mal de niveaux. Donc, vous pourrez dire, ouais, ils jouent pas très bien et tout, mais franchement, les gens, c'est pas. On joue bien, on joue gay bien, c'est juste que. C'est juste qu'ils sont durs, voilà. Ah, ils sont super forts. Et en plus, ils ont des boosts en attaque, voilà, donc c'est pas notre faute. Lui, il a plus 30% de boost, vous vous rendez peut-être pas compte. Mais ils ont gavé de boost d'attaque. Imaginez, vous vous contrez contre Interest avec plus 50% de défense, c'est pire, voilà. Vous voyez la vie que j'ai là, il m'a mis 3 coups de poing. Merde, je me suis fait d'attaque, là par contre j'ai mis. Voilà, il m'a fallu, regardez, j'ai mis 4 coups pour l'enlever, juste ça. T'as vu, vous voyez, il esquive déjà alors que les autres ils esquivaient pas. Putain. Non, est-ce que c'est une petite tornade? C'est un cas d'effort. Alors si je perds, moi, une manche, ça va. Mais si je perds le match, c'est pas mieux. Hein. Ouais. Moi, je suis minable, hein, sur... enfin pas minable. Ça va quoi, c'est du bon. C'est bien, mais voilà quoi. C'est pas comme... j'ai pas le niveau comme dans Mario Kart ou Super Smash Bros en fait. Donc moi je suis plus play et lui il est plus Wii. Enfin lui il joue sur DS en fait à la base. Ouais donc j'ai plus l'habitude sur ces deux jeux que... Ouais. Voilà. Ah ça doit bien faire mal au dos ça tu vois. Tu vois tu dois entendre craque-moi la craque. Ouais. Nul de pas mon point. Maintenant. Minos. Ah, Minos. Et tu fais qui toi du coup? Moi je fais rien. Donc tu fais à droite, tu fais à gauche. Tu es encore vivant. Nous sommes encore liés par un fil de la manipulation cosmique. Je vous ai dit que vous n'iriez jamais jusqu'à l'Elysium. Pas vraiment mourir. On va sauter, Shiryu. Accroche-toi. Meurs, meurs. Quoi? Ah. Impossible, comment ça peut se briser alors comment le que leur armure sont attaque. Le sang d'Athéna. Eh ouais mon frère, t'es mort à cause du sang d'Athéna mon frère.
Il nous a disparu sans laisser de traces. Comme aspiré dans une autre, dans cette dimension, autre dimension. C'est tellement. C'est grâce au fond d'intérêt sans armure, ça ne m'aura jamais pu en fait. S'il vient un gars pour attraper sa échelle. Oui, allons-y, Elysion nous voilà. Elysion est. On a donc débloqué pas mal de persos. Du coup, voilà, Thanatos. Regarde, il nous reste plus de 3 trucs. C'est parti. Thanatos. Vous avez obtenu un trophée, terreur infernale. Nye. Thanatos et Hypnos, eux, ils sont gavés. Et c'est Bando qui va devoir jouer en plus. Bon, vous allez voir vite ma nullité sur ce jeu, MDR. Par-delà des millions d'années. Ça, je passe pas par. À travers les ténèbres sans princesse, compagnon de télé en fin c'est l'Elysion paradis. Seuls les élus des dieux peuvent trouver le repos après la mort. Voici donc l'Elysion. Je fais Seiya, toi tu fais les dieux. Voici donc l'Elysion. Ah, ce que vous comprenez, toi. Pour la fois, pour comment allons retrouver Seiya. Non, toi tu vas faire Thanatos. Ah, c'est celui qui fait carrément. Ah, les nymphes sont troublés par cette tenue tachée de sang. Voici l'Elysion, dont le sol ne peut être fondé que par les âmes vertueuses. Vous avez effrayé ma petite ménagerie. Écoutez, les nymphes ont arrêté de, chanter. Qui es-tu ? Je suis Thanatos. Tu ressembles beaucoup à un spectre avec tes cheveux d'argent et ses yeux. Spectre de Wanai. Je ne suis pas un diversaire. Je suis le bras droit du Seigneur Noir, son plus fidèle conseiller depuis le temps de la mythologie. Conseiller, alors tu devrais pouvoir répondre à cette question. Pourquoi poser cette question si tu es si malin ? Quel pouvoir, quelle pouvoir entre les mille dieux ? Oui, Athéna, elle est venue ici alors que Shabbades. Elle est morte. Allez, Bob, elle est morte. En fait, mon frère Hypnos, le dieu sommeil, est en train de présenter ses dépouilles au Seigneur Noir en ce moment même. MDR. Non, tu mens. Oui, Hadès. Imbécile. Un dieu n'est pas de compte. Simple mortel. Oh, t'as bien joué. MDR, c'est moi qui joue en plus. Oui. Attention, c'est 30 ou 40%. J'imagine bien. Eh, 30%. Ça va. J'ai encore géré tel à 30. Ça va. Oh, c'est Seiya, pour côté. On va te niquer. Ah, non. T'as bien tous, par contre, tu vois. Si tu fais un QMMA, t'es fini. C'est du vrai, t'as l'air. Tiens, ta gueule. C'est pour venir, hein. Eh, putain. Alors, Thanatos. MDR. MDR le parfait. Le manche parfait. J'ai oublié de payer. Si tu fais un parfait à deuxième manche, tu feras un combat parfait. Aïton. Terrible Providence! Ta gueule! Y'a juste pas, moi je vais te faire perfect, hein! Merde! Dégage, ça te suit! Non, fais chier! Non! Non, j'ai trop de deg! Fais chier! Tirage, parce qu'elle avait fait son perfect. Bon, moi t'as le rang S pour la première fois depuis le début. Ouais. Bon, on a l'image de la coma. Imano de Owarika.
C'était ton attaque qui... Excuse-moi. Mais j'ai fait appel à ma puissance. D'ailleurs, pour toi, je t'ai niqué, hein. Une attaque aurait aussi risé. Pouvait faire chuter le grand Thanatos. Je t'ai pourtant dit que j'étais un dieu de la mort, fidèle serviteur du dieu de l'au-delà depuis l'état des dieux. Est-ce que tu commences à comprendre ce qui sépare les dieux des mortels maintenant? Je vais te faire vivre des sommets de douleur et d'agonie avant de te tuer. C'est la sœur. Regarde bien. Regarde. C'est le monde d'où tu viens. Contemple ta sœur. Ici, maintenant. Ma sœur, c'est Eka. Mais pourquoi a-t-elle l'air de souffrir à ce point? Regarde, Pégase. Et tu découvriras peut-être. Regarde ta sœur agoniser lentement et en gémissant jusqu'à la mort. Salut, Kinderman. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est moi, je suis arrête! MDR. Tiens, tiens. On voit encore un autre. Qui es-tu? Je suis Iki, je suis du Phénix, je viens chercher ma vengeance pour une amie qui vient de mourir dans les enfers. Genre ça y est, ils sont pas des trucs, ils ont fait. Vengeance, dis-tu? Comprends? Ah oui. Ah, c'est moi, cette fois c'est moi. Il attaque plus 30%, c'est pareil, moi j'ai rien pareil. Que tu regardes toi? Moi j'étais pas. Mon but c'est pas de faire un perfect quoi. Moi c'était pas mon but au début. C'est pas fait exprès. Bon après deuxième moi j'étais perfect. Ouais. Mais j'ai pas réussi le battre il m'a mis de l'autre. J'étais sûr j'ai décidé de faire ça. Donc tu charges là. T'as plus rien fait. C'est le... Ta gueule. Voilà c'est ça. T'imagines genre un combat de rue, le mec il se met en pause, t'es pour être mou. Je fais pas, je charge. Merde. Mais... 10... 2... One zero. Oh, nope. Je vais lui faire une ADD. Alors les gens, si vous avez remarqué, depuis 5 vidéos, vous allez voir que notre niveau a augmenté d'un coup. Vous savez pas pourquoi, mais bon, l'augmenter. C'est vrai en plus. En même temps, on n'arrête pas de jouer, ça fait quoi? Ça fait 2 heures. Oh le bâtard! Aïe! Je déteste cet anti-garde parce que là moi, par exemple. Je kiffe quand il le fait, quand c'est moi qui joue avec. Oui, quand c'est toi qui joue avec, quand c'est toi qui le prend, tu fais. Non! Non, je vole! Là il t'a victimisé. T'es trop gros, t'as tout. Tu caches la vue. Oh les t'as du Phoenix, ça. Mais! Et qui se bat? Non. Laissez-moi tranquille. Adieu. Je pense qu'il y a là. C'était le sens, on dirait. On va l'écouter, mais c'est pas. On dirait. Là, il active. On dirait. Et tu vois, c'est le coup gros, tu le sens pas, mais tu sais que tu vas te mourir, tu diras pas. En fait, c'est l'illusion, en fait. Il traverse et il voilà. Traverse, il lui fait revivre son pire cauchemar. Par exemple, alors, on aime, je sais quoi faire. Ridicule, le phoenix est immortel. Bloqué au moins 20 attaques. Oula, oula. Mais j'en ai remporté des titres. Tu vas voir ce qui nous coûte de défiler Dieu. Yeah. J'aimerais très bien disperser tes restes aux quatre coins du cosmos. Néanmoins, je suis sûr qu'il reste me pardonner si je tranche la tête et je l'envoie se perdre. On va confier à connaissance de l'air. Arrête sur le champ. T'es encore en combat ou quoi? Non, ouais. Ah, je craignais que d'autres vermisseux soient parvenus à arriver jusqu'ici.
Un autre chevalier, c'est ça, dis-moi, mortel. À quoi devoir pouvoir Quoi Michel, elles sont en pièces. Là, il va y avoir Yoga et Charu, c'est ça. Dis-moi, combien vous êtes-vous encore? Combien d'autres que je vais devoir tuer? Prends ça, envoie les dragons. Puis là, il dit, oh putain, mais vous êtes combien? Encore un chevalier qui essaie de vivre, MDR. Le mec, en fait, déjà, ils arrivent en mode 2. Le mec, il met un petit vice, il se partage. Dégage. C'est comme Beerus dans le dernier dans l'épisode où il combat Sangoku. Deux coups, il est KO. Poussière de diamant. Oh, il l'a pris. Genre, il l'a pris. Ah, mais si, seul un zéro absolu, 10 millions et 10 millions de fois plus personnel que Shirk Spiradol. Donc là, ce sont. MDR, ils ont tous battu. Et là, il n'y a plus rien normalement, ils sont tous. Attends, il a fondé ses arbres, il n'y a plus personne. Je vais aller quitter d'ouvrir les yeux, et bien. Ah oui. Ah ouais, les armures d'or d'abord. Après, il y a les armures d'or. Hein, C'est son premier des. Ce reste les codes armures de Chenaï d'or. Avec ça, il n'y a aucune chance. Je crois que c'est. Donc, on va s'arrêter là, les gens, pour cet épisode. Donc, au prochain. Ouais, on va s'arrêter là. Donc,